compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo maquillage. Oui, enfin, c'est un assez gros trait bigagigol maquillage. Voilà, voilà. En fait, j'ai simplement craqué mon slip pendant le Black Friday et à Noël, j'ai eu aussi du maquillage. C'est principalement des palettes. Je ne les ai pas comptées. Voilà, on verra ça, mais il y en a quand même pas mal. Et en plus de ça, j'ai repassé d'autres commandes entre temps que je n'ai toujours pas reçues. Donc il se pourrait qu'il y ait un deuxième haul make-up d'ici quelques semaines, je pense. Si jamais vous voulez pas louper le deuxième haul, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et activer la cloche pour être au courant dès qu'il sera en ligne. Avant de commencer, je suis obligée de faire un petit disclaimer puisque dernièrement j'ai regardé pas mal de petites vidéos haul, hein, voilà, tant qu'à faire, hein, je me suis dit au moins me conforter que je ne suis pas la seule à péter un câble en ce moment, et j'ai pu voir beaucoup de commentaires franchement qui me révoltait, tellement désobligeant. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut de son propre argent, acheter du maquillage, ça ne fait de mal à personne, ça me rend très heureuse, je suis très heureuse. Chacun a son avis, chacun a ses passions, je préfère mettre mon argent là-dedans que dans l'alcool, la drogue ou que sais-je, qui pourrait faire du mal à moi-même et à autrui. Donc voilà, ça me regarde moi-même, mon portefeuille me regarde moi-même, les cadeaux qu'on me fait nous regardent moi et la personne qui me les offre. Voilà, que ce soit bien clair, franchement, si c'est pour avoir des commentaires du style « t'as qu'à faire d'autres choses de ton argent, non mais franchement, tu peux pas acheter autre chose », franchement, ces commentaires-là, merci, au revoir, ils sont nextés, de toute façon, ils seront même pas visibles parce que j'ai pas envie d'avoir ça sur ma chaîne. Voilà, vraiment, les derniers commentaires que j'ai pu voir sur certains hauls, ça m'a mis une nerf, quoi. Bien sûr qu'on peut faire plein de choses avec son argent, enfin voilà, je vais pas éterniser ça, mais sachez une chose, c'est que je dépense là, mais je suis aussi beaucoup dedans dans les associations, donc les gens parlent sans savoir à côté ce que les autres font, voilà, tout simplement. Bref, je vais m'arrêter la petite parenthèse, je pense que vous avez très bien compris, mais si vous êtes là juste pour rager sur les achats faits, je vous en prie, la petite croix rouge, elle est juste en haut à droite, vous avez qu'à cliquer dessus. On reprend le sourire et puis c'est parti, allez, let's go. Je vais commencer à vous présenter ce qui n'est pas palette, parce qu'après on va vraiment être que sur des palettes, et je vous dis, il y en a quand même vraiment beaucoup. Donc là, je vais vous montrer le reste. On va commencer d'ailleurs par des soins, puisque je n'avais plus du tout de crème hydratante ni rien, et je suis allée voir en fait sur Beauty Bay à la base pour autre chose, et j'ai vu qu'ils avaient, enfin je le savais, mais c'est vrai que je ne m'étais pas vraiment penchée dessus, qu'ils avaient sorti une gamme de soins de leur marque Beauty Bay, et donc je me suis dit, bah, tiens, au niveau du prix, et les retours, ils étaient quand même assez positifs. Je me suis dit, bah, test, de toute manière, tu vas pas être perdante niveau du prix. Sachant en fait que j'avais une crème de chez Lirac qui m'avait coûté quasiment 50 €, qui me donnait des boutons. Donc franchement, je me suis dit, autant mettre moins de 10 € dans une crème et qui est peut-être tout autant efficace. Et franchement, ça a été le cas. En premier, je me suis pris la crème de jour qui est la Day One Moisturizer. On se moque pas, merci. Avec du ginseng et de la squalane dedans, c'est pour les peaux normales et on peut mélanger aussi tout type de soins avec. C'est vrai qu'elle est très bien, elle apparemment protège, elle hydrate. Effectivement, moi elle hydrate, j'ai vu pas une amélioration de ma peau, mais en tout cas ça lui fait pas de mal. C'est vrai que ça l'hydrate, elle est assez légère, c'est très agréable à mettre, il y en a pour une éternité, elle est pas chère. Ce sont des formules qui sont assez simples à l'intérieur, ils essayent vraiment de mettre le minimum de produits ou d'agents un peu inutiles, on va dire, entre guillemets. Voilà, ils essayent vraiment de faire des choses propres, simples, efficaces, et franchement c'est le cas. Il y a 125 ml, donc vraiment j'en ai pour un moment. En combinaison, je me suis pris du coup ce sérum que je mélange avec ou avec ma crème du soir, mais je peux aussi l'appliquer seule, ça fonctionne très bien. C'est donc un sérum qui est hydratant à l'acide hyaluronique et au glycogène. Alors je sais pas parce que c'est marqué en anglais, mais est-ce qu'en français on dit glycogène? Je suis pas sûre, mais enfin bon bref. Et donc voilà, c'est vraiment un sérum qui hydrate aussi, qui réduit aussi je crois les petites ridules, quelque chose comme ça. Franchement elle est très très bien, et le mélange des deux, je trouve que c'est très efficace, et en plus de ça elle n'est pas grasse du tout, et ça j'adore. Et c'est une petite pipette comme ça, j'aime bien. Ensuite j'ai pris également la crème de nuit qui est du coup en format peau, qui est plus épaisse mais qui reste quand même non collante, non grasse et très agréable sur la peau, donc ça j'ai trouvé vraiment top. C'est la First Class Rich Moisturizer, très très bien, voilà, ça hydrate, c'est pour les peaux normales aussi et sèches. Je bug un peu parce que c'est écrit en anglais et que vous avez compris que c'est pas forcément mon fort l'anglais. D'ailleurs sachez que c'est cruelty free et vegan, hein. Toute la gamme est cruelty free vegan et ça j'adore. Dernier petit produit de leur marque aussi, soin que je me suis pris, c'est celui-ci qui est en fait un traitement pour les boutons. Alors vous pouvez en mettre quand vous avez des boutons, là je les ai un petit peu cachés, mais avec le masque j'ai pas mal de boutons et je trouve que ça les assèche vraiment très très bien. Je le mets le soir, le lendemain ils sont vraiment bien asséchés, ça m'en a vraiment quand même enlevé quelques-uns. Maintenant si c'est des gros gros boutons après avec la croûte et tout, non ça marchera pas, mais si c'est des boutons qui commencent un peu à être enflammés, ça les assèche et c'est plutôt efficace. Toujours chez Beauty Bay, en tout
tout cas sur le site. Je me suis pris aussi une base que je voulais essayer depuis un moment. Je crois qu'elle était aussi en promo pendant le Black Friday. C'est une base de chez The Ordinary. C'est la Height Adherence Silicone Primer. C'est une base en fait qui est fixatrice, qui est lissante. Vraiment, le make-up tient toute la journée avec cette base. Le teint est quand même vraiment lisse. Je vois la différence quand je l'applique. Je l'aime beaucoup parce qu'on sent le silicone, mais elle n'est pas hyper siliconée non plus. Donc ça reste quand même agréable, même si je trouve quand même qu'on sent un petit peu, ça sent un petit peu le silicone. Hein. Mais vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, quand même, je l'ai déjà bien utilisé. Alors après, dès la première utilisation, il a fallu que j'appuie quand même pas mal pour faire sortir le produit. Hein. Donc bon, c'est un petit peu fake, hein, ce grand paquet là, mais bon, c'est pas grave. Après, il en faut très très peu, donc c'est pour ça que ça dure longtemps. Le seul problème un petit peu, c'est que ça comme, bouche un petit peu mes pores, je trouve, et que j'ai quelques petits boutons quand je l'applique. C'est pas quelque chose de très grave, mais une fois sur deux, quand je la mets, j'ai des boutons le soir qui apparaissent, donc du coup j'évite un peu trop de la mettre. Je la mets vraiment quand je veux vraiment un teint hyper lisse, voilà, à Noël, etc. Quand j'avais donc des soirées, des événements, on va dire ça comme ça, je la mets, ou quand j'ai vraiment tout simplement envie d'avoir un teint super lisse ou en vidéo ou quoi que ce soit, je l'applique et je la trouve quand même plutôt pas mal. Toujours chez Beauty Bay, je me suis pris un petit crayon à lèvres. En fait, je crois que c'était pour avoir les frais de port gratuits, il me manquait quelques euros. Donc j'ai pris ce crayon à lèvres de chez Wet n Wild. C'est la teinte Sink Flamingo. Elle est très jolie, elle est cruelty free aussi. C'est une très jolie couleur, elle est un petit peu claire pour moi, mais ça passe quand même avec un rouge à lèvres par dessus, ça passe très très bien. Il est correct, rien à dire de spécial. Ensuite je me suis pris un crayon pour les yeux de chez Beauty Bay. Voilà, je les avais jamais testés, donc j'avais très envie de voir ce que ça donnait. Et parce qu'en fait tout ça je les ai fait en deux commandes hein, sur Beauty Bay. Et c'est la teinte Peacock. Alors c'est un très beau vert, je le trouve, mais alors sublime. Il est même un petit peu pailleté dedans, un peu métallique. Il est très très beau, il s'applique très bien, il est ni trop gras ni trop sec. Voilà, on a de suite quand même la petite trace. Par contre, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que le packaging est totalement blanc. Donc si on en a plusieurs, on ne sait pas quelle couleur est-ce que c'est. Et à chaque fois, il faut ouvrir ou se rappeler du nom de la teinte, la chercher, parce qu'en plus, elle écrit vraiment en tout petit sur le côté. Ça, par contre, c'est franchement pas pratique. Point positif, c'est que c'est quelque chose de rétractable et qu'en plus, vous avez, hop, en bas, un petit taille crayon aussi intégré. Donc ça, c'est quand même bien pensé. Pour le prix, il était vraiment pas cher, donc c'est pas mal. Mais franchement, avoir même le capuchon, je sais pas, ou que le bas, mais une couleur qui rappelle la couleur à l'intérieur. Je me suis pris également un blush de chez Makeup Revolution. C'est dans la gamme de Reloaded. Je les aime beaucoup, j'en ai déjà un et je l'aime beaucoup, du coup je vais en prendre un autre. Et cette teinte un petit peu mauve comme ça, je la trouve super canon et très bien pigmentée pour le prix et tout. Voilà, je l'ai déjà dit, elle est top. J'ai également pris un blush de la marque Beauty Bay, puisqu'ils ont aussi sorti des blushs. C'est la teinte Beaten. Je la trouve très très belle. Elle est quand même un petit peu plus foncée et un poil plus pêche abricot que celle de chez Makeup Revolution. La pigmentation, je la trouve très bien. C'est ni trop ni pas assez et on la voit quand même bien sur la joue, donc vraiment je l'adore. Ensuite j'ai pris un highlighter de chez Wet n Wild. Ils sont assez bien réputés, donc j'avais très envie de l'essayer. Là c'est la teinte Blossom Glow, mais elle est très bien pigmentée, elle est très jolie. Voilà, j'aime beaucoup ce petit highlighter. J'ai également pris une base chez Primark. C'est le seul produit make-up de chez Primark. Elle est à 4€. C'est la Prep Plus Perfect. C'est une base hydratante, zéro défaut. En combo avec la The Ordinary, j'adore. Je trouve que les deux ensemble, ça fait vraiment le teint lisse, parfait et avec une tenue mais optimale de fou. Ça tient vraiment toute la journée. Seule, elle est bien, mais sans plus. Elle hydrate et elle permet quand même, je trouve, vraiment une bonne tenue du fond de teint. Même si c'est pas ce qu'elle promet, je trouve que la tenue est très bonne avec cette base-là. Maintenant, zéro défaut, je suis pas trop d'accord quand même. Sur Amazon, je me suis repris mes petites éponges IMAX Design. Donc là, il manque la plus grosse puisque je m'en sers actuellement. Je me suis repris aussi également un anti-cerne de chez L'Oréal. C'est la teinte Avoine 324. Elle est quand même vachement claire, mais c'est qu'en ce moment, j'ai des anti-cernes qui sont quand même assez foncées. Et donc, pour vraiment bien un petit peu contrastée et rehaussée, j'aime bien utiliser celle-ci, puis elle est vraiment bien pigmentée, elle couvre très très bien. Donc voilà, ça est devenu quand même vraiment un de mes anti-cernes préférés aussi, petit prix. Dernier produit hors palette, et ensuite on va enfin passer aux palettes, c'est un fond de teint que donc j'ai eu pour Noël de chez Duvia's Place. C'est le I'm Magic. Je voulais l'essayer depuis, mais tellement longtemps depuis sa sortie en fait, et je suis trop contente parce que je l'ai eu, et qu'en plus la teinte, c'est la teinte parfaite, c'est la teinte Cebu 610. Bien évidemment, ça a été un cadeau, mais c'est moi qui ai fait la commande, hein, voilà, parce que j'ai quand même sélectionné ce que je voulais sur le site, et après ça a été un cadeau Noël. Mais la teinte, j'avais très très peur de me tromper sur internet, c'est super dur, même s'ils ont beaucoup de photos, etc. Et au final, la teinte, elle est parfaite. Alors, elle s'oxyde quand même légèrement,
limite le ton en dessous aurait peut-être été vraiment vraiment parfait, mais il n'y a rien de choquant du tout. Je suis quand même très contente d'avoir bien choisi la teinte. Il est hyper couvrant, il tient très très bien, on le sent pas sur la peau. Maintenant effectivement je trouve quand même qu'on le voit un petit peu, ce qui est normal puisque c'est vraiment un fond de teint qui est très couvrant. Effectivement il est très très couvrant, mais sinon je le trouve vraiment top. Le petit packaging comme ça c'est hyper pratique et tout pour le transporter, pour l'utiliser. Moi je le trouve vraiment top top. On va enfin passer aux palettes. Je suis désolée si le cadre a un petit peu bougé puisque j'ai dû changer ma batterie, j'avais plus de batterie, donc ça a peut-être un peu bougé, je suis désolée. Tant qu'on était chez Beauty Bay, je me suis pris également leurs deux dernières palettes puisqu'elles étaient en promo. En premier c'était celle que je voulais le plus, on a la Book of Magic. Déjà ce packaging je le trouve sublime. À l'intérieur vous avez un grand miroir et regardez-moi ces teintes. Bon vraiment dans les tons bleu, violet, on a quand même quelques nudes un petit peu clairs en haut. Vraiment je les trouve mais alors magnifiques. Ça donne vraiment ce côté quand même un petit peu mystique, je sais pas, voilà. C'est vraiment un peu l'idée de la palette, c'est quand même être un peu dans la magie, etc. Donc voilà, on a vraiment des teintes moi que j'aime beaucoup au niveau des noms et au niveau des couleurs. On a des duochromes, enfin c'est juste canon. Les mats, ils sont très bien pigmentés. Je l'ai utilisé une fois pour le moment et j'en étais vraiment conquise. Elle est magnifique. Et la seconde, c'est donc la Sunset Horizon. Alors, je suis désolée, je vais assez vite, mais parce que j'ai pas envie que ça dure 3h30 cette vidéo. Donc, toujours le grand miroir et cette fois, on est plus dans des tons un petit peu plus chauds, un petit peu couché de soleil. On a donc du jaune, du orange, du rouge, mais on a aussi du violet. On a quand même un petit peu du bleu. Cette teinte aussi, elle est très très belle. Ça fait un petit peu un bleu violet. C'est la teinte Deep, mais un petit peu pastel, canon, on a du noir, enfin voilà, là vraiment on est plus dans quand même des tons chauds, un petit peu plus été, un petit peu plus estival, mais trop trop canon cette palette aussi. Ensuite, j'ai racheté deux palettes de chez Jeffree Star à Samantha Von Viper, si je ne me trompe pas. C'est son pseudo Insta et YouTube. Donc, elle avait fait un tri, elle vendait des palettes. Et je les ai achetées puisque vraiment, je trouvais qu'au niveau prix, c'était quand même très intéressant. Samantha, si vous ne la connaissez pas, vraiment, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos ou dans le petit i. Allez la voir parce que je trouve qu'elle n'est pas assez visible alors qu'elle fait des make-up vraiment canon. Vous avez aussi son Insta où elle poste les photos de make-up, etc. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Je me suis donc pris la Thirsty. Non, je peux pas. Bon, ça fait la cinquième fois que je me reprends, j'arrive pas à dire le nom de cette palette, ok? Donc je me suis pris cette palette, la Thirsty, quelque chose comme ça, hein, je pense que vous la connaissez de toute manière. C'est une palette qui date un petit peu de chez Jeffree Star, qui était je crois sortie un été et j'avais envie de me l'acheter depuis sa sortie, donc ça remonte vraiment il y a longtemps. Je savais qu'un jour je craquerais, je me la prendrais, je ne savais pas quand, mais ça y est, c'est chose faite. Donc la palette, elle était neuve, il y a peut-être un fard qui était swatché et encore je suis même pas sûre. On a le petit film qui est donc sur le miroir. On a un assez grand miroir. On avait même le petit plastique à l'intérieur. Et voici les teintes si vous ne la connaissez pas. C'est vraiment des tons chauds, des tons qu'on met plus en règle générale en été. Mais c'est une très très bonne palette. Je l'ai utilisée. Pas encore. Je l'ai juste un petit peu swatchée. Mais j'ai même pas encore fait de vrai swatch. Parce que en fait moi c'est tout un rituel quand je reçois des palettes. Je les regarde, je les re-range, je les ressors, je les regarde, je vais me laver les mains, je fais quelques swatchs, je les re-range. Non mais voilà, j'ai des tocs en fait je crois quand je reçois du maquillage. C'est toute une organisation. Bref, donc j'ai pas encore passé l'étape de vrai swatch. C'est honteux de dire ça, mais en tout cas les couleurs, waouh, la splash un peu ce vert d'eau là, il est canon, enfin de toute façon toutes les couleurs, les irisés au milieu, ils sont sublimes, le argent il est trop trop beau, enfin voilà vraiment cette palette, je suis hyper contente de enfin avoir pu me la prendre. Et j'ai également racheté la Mini Controversy, donc c'est Jeffree Star en collaboration avec Shane Dawson, je crois que c'est un youtubeur américain, j'en sais rien, je le suis pas du tout, mais les couleurs me tentaient pas mal mine de rien, donc on a toujours un miroir à l'intérieur. Et mais moi le miroir je m'en fiche un petit peu. Et voici les couleurs. Alors c'est vrai qu'il n'y a rien de trop exceptionnel, mais je la trouvais vachement jolie. Je sais que Jeffree Star ils ont quand même des très bonnes qualités de fard. J'avais qu'une seule palette de chez Jeffree Star et j'avais quand même envie de m'en prendre d'autres. Je l'avoue, je suis coupable. Mais on a vraiment donc ce bleu un peu pastel, ce petit peu blanc d'œuf cassé, celui-ci aussi qui est très très beau. Là il rend rien comme ça en caméra, mais en fait en vrai il est... En fait j'ai l'impression que c'est un peu un champagne irisé mais avec quelques notes de kaki à l'intérieur. Bref voilà, je la trouve très très belle cette palette. Et je me suis pris deux palettes de chez Morphe. Alors oui je dis Morphe, je sais que ça se prononce Morphe mais j'ai toujours dit comme ça donc maintenant je le prononce comme ça. Voilà je le dis parce que je sens que je vais encore avoir des commentaires sinon pour me dire mais on dit Morphe, je sais. Mais moi j'ai l'habitude de dire Morphe. Bref, donc je me suis pris deux palettes parce que les palettes étaient à moins 50%. S'ils n'étaient pas à moins 50 je les aurais pas achetées sincèrement. Mais là elles me tentaient et pour le prix je me suis dit franchement
ben, ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc j'ai déjà pris la Nikita, vous avez pu la voir déjà en action dans ma vidéo maquillage des fêtes. Je vous le mets dans petit si vous voulez la voir. Elle est très jolie, donc si jamais vous ne l'avez pas encore vue, voici les couleurs. Donc pas de miroir à l'intérieur, packaging cartonné, moi ça me va très très bien. Et les couleurs, elles sont quand même très très jolie. On a beaucoup de bleu, mais on a du vert, du violet, on a des nudes, on a un rouge pétant, on a des effets un petit peu marbre qui sur la paupière font une jolie couleur irisée, mais c'est surtout l'effet dans le pan qui est très beau du côté marbré. Mais sinon, c'est quand même une bonne palette. Voilà, de toute façon, Morphe, c'est quand même une assez bonne marque, hein. Et je me suis également pris la Jaclyn Hill volume 2. Je la voulais depuis sa sortie, mais elle coûtait, je crois, 43 €. Et sincèrement, j'allais pas mettre 43 € pour cette palette. Elle me donnait pas envie d'en mettre autant non plus. Elle est très très belle, c'est beaucoup des couleurs chaudes, ça fait un petit peu aussi coucher de soleil. Ces teintes là, elles sont très très jolies, je n'ai pas encore utilisé, je ne l'ai même pas encore swatché pour vous dire. Oui, je ne suis pas encore à cette étape là, hein. Bref, vous avez compris, mais voilà, les couleurs me tentaient, je trouve l'harmonie très jolie, je trouve cet effet un petit peu, voilà, coucher de soleil très très beau. Maintenant, 40 €, je l'aurais pas mis, voilà. Donc là, à 20 et quelques euros, ça valait la peine de la prendre et je suis très contente de me l'avoir prise. Ensuite, on va passer à une marque, je suis trop contente de m'être pris. J'ai profité des promos aussi du Black Friday, etc. Bon, sachez quand même que tout ça, je l'ai acheté en plusieurs mois, hein. Ça n'a pas été du coup en un mois ou deux mois, je crois que c'était sur 3-4 mois peut-être, peut-être même plus, bref. Mais là, j'ai profité des offres qu'il y avait et j'ai craqué, je me suis enfin lancée et j'ai commandé chez Colourpop. Ah, je suis trop trop contente. Voilà, j'ai enfin sauté le pas. Le packaging trop trop beau, le carton du moins trop trop joli, ça c'est sûr que je vais le garder. Et à l'intérieur, c'était super bien emballé et je me suis vraiment fait plaisir. Je vais donc vous présenter la palette qui m'a fait vraiment sauter le pas et commander chez Colourpop. C'est la palette L'Enfant, donc Star Wars en collaboration avec Colourpop, donc plutôt même The Mandalorian. Vraiment, j'ai adoré cette série et cette palette, j'avais trop envie de me la prendre parce que franchement, Grogu, il est pas trop mignon. Alors ça restera toujours bébé Yoda dans mon cœur, sachez-le. Mais en plus, son nom, je le trouve bof, quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc on restera sur l'enfant bébé Yoda. Voilà la palette. Toujours un petit peu, ça fait cet effet un petit peu gomme doux. C'est trop trop agréable à toucher. Et voici l'intérieur. Donc vous avez le petit miroir avec du coup Grogu dessus. Et voici les teintes. On est essentiellement. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Oh non! Oh, j'ai envie de chialer. Ce phare vient littéralement de se péter la gueule sur ma jambe. Alors là, je viens de perdre mon enthousiasme. Je pense que vous le voyez direct. J'ai envie de chialer limite. Bon, il est tombé sur mon jean, mais comme ça. Je l'ai même pas encore utilisé, la palette. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai essayé de récupérer les morceaux que je pouvais. J'ai essayé de les represser avec mon doigt, mais je vais pas trop me pencher. Bon, allez, c'est pas grave. Je pourrais toujours m'en servir, hein. Voilà, c'est rien de grave. En tout cas, la couleur, elle est très très belle. Enfin, toutes les couleurs sont très très belles. Et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Voilà, j'avais juste swatché parce que j'étais trop impatiente. Et franchement, il y a des couleurs, mais qui sont vraiment canon. Ensuite, j'ai pris la On Cloud Blue. Je trouve le petit paquet trop trop joli. Même à l'intérieur, genre, il y a des petits nuages et tout dessiné. Je trouve le packaging trop joli, enfin la boîte en carton. Ils auraient dû d'ailleurs même le refaire sur le vrai packaging ici qui est juste bleu pastel, très très joli aussi. Sur cette palette, on est sur un packaging en plastique contrairement à l'autre qui est en carton. Moi, le carton, ça me va très bien, mais bon, pourquoi pas le plastique, et c'est un petit peu plus résistant peut-être. On a un grand miroir et bien sûr, comme son nom l'indique, on est sur des tonalités bleues et franchement, les couleurs sont canon. On a un paillette pressé, on a des irisés, on a des mats, ils sont sublimes. Je les ai aussi swatchés et franchement, mais les fards, ils sont d'une qualité comme ça au swatch. Alors après, oui, j'en ai aussi testé quand même sur les yeux et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que la qualité, elle est là. Pour le prix, il est pas très excessif. Et franchement, mais voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de ces fards. J'ai également pris ce petit Volt de 3 palettes de la collection Cloud Dye. J'ai un peu baissé la luminosité parce que vous voyez strictement rien. Mais donc, quand vous ouvrez le Volt, comme ça, vous le dépliez et vous avez les 3 palettes à l'intérieur. On va commencer avec la première qui est la Miss Bliss. Vous avez toujours le grand miroir et là on est plus sur des tons un petit peu pêche orangé avec au centre des paillettes pressées, voilà, d'un autre monde. Elles sont super belles, les irisés sont très très beaux, les mats aussi sont très très beaux. En fait, je trouve vraiment que ce sont des fards, ils sont waouh,
propres, quoi. Quand on les regarde, quand on les swatch, on les trouve mais sublimes. On a des mattes avec des petites paillettes aussi à l'intérieur qui sont très très beaux. Là, c'est celui-ci dans cette palette. Dans chaque palette, en fait, je trouve qu'on a des fards exceptionnels, puisqu'on a des paillettes pressées, on a des irisées, on a des paillettes avec des mattes, on a du mat. Enfin voilà, on a vraiment un peu de tout dans la même harmonie. Voilà, les palettes, c'est un régal à regarder et c'est un régal à utiliser. Ensuite, dans les tons verts, on a la Aura et Out. Et là, on est vraiment plus sur des tons un petit peu verts, un petit peu mint. Vous voyez, il y a un petit peu de pêche quand même, des paillettes avec des reflets verts, mais laissez tomber. Oh, franchement, elle est magnifique cette palette. Des irisées, la vert et menthe, trop trop beau. On a un blanc mat qui est bien blanc. Voilà, cette palette aussi, je l'adore. Et on termine avec la In Trance et c'est ma palette préférée. Regardez-moi cette harmonie de pastel, trop trop beau. Les paillettes au centre, elles ont des reflets magnifiques. Le premier tout en haut, le Clarity, c'est vraiment un blanc irisé avec plein de reflets bleu-violet. Il est magnifique, vraiment. Ça, c'est ma palette préférée, c'est celle que j'ai utilisée. Et j'ai été plutôt satisfaite des couleurs, surtout que j'avais pas mis de base en dessous, j'avais pas mis ma base Pay With. Vraiment, les fards ressortaient quand même très bien, même sans la base, sachant qu'on est quand même sur des tons assez pastels. C'est assez rare et franchement, j'ai été mes conquises, ces paillettes, je les adore. J'adore, franchement, voilà, que de très belles surprises. Ensuite, je me suis pris la collection Fade Into. J'ai pris du coup le petit set de crayons pour les yeux. Je voulais vraiment tester leurs crayons pour les yeux. Et là, c'était en promo. Et regardez-moi toutes ces couleurs. Oh, trop, trop beau. On a du blanc, donc on a beaucoup de un petit peu pastel, pêche, abricot, du jaune, du vert, menthe, du un peu violet, bleu, du violet. Il n'y a que au swatch, les deux dernières couleurs qui sont vachement foncées, ces deux-ci, qui étaient quand même assez sèches. Il y en a un d'ailleurs, la mine s'est cassée direct alors que j'avais même pas encore commencé à tracer. Je pense que c'est au niveau du pigment, vous savez, les couleurs foncées comme ça, c'est pas évident à faire. Mais sinon, tous les autres se swatchaient, en tout cas, se sont vraiment swatchés super bien. Et donc, on termine Colourpop avec la palette Fade Into et c'est la petite blague du colis. Puisque quand on l'ouvre, bon, déjà elle est juste magnifique, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez où est l'erreur. Si vous me suivez pas, je vous laisse quelques petites secondes pour la chercher. C'est bon ? Bon, je vous le dis tout de suite, si jamais vous ne l'avez pas vu, hein, c'est celle-ci. La teinte iconique, là on est sur la rangée bleue, c'est un violet que l'on retrouve également ici. C'est la teinte en fait selfie. Ils se sont trompés, ils m'ont mis deux fois la même teinte dans la palette. Normalement ici c'est un super beau bleu un peu roi. En plus il est vraiment super beau. Et donc voilà, bon ben j'ai deux fois la teinte selfie, c'est un peu dommage. Mais bon écoutez, c'est pas grave, ça arrive, hein, l'erreur est humaine. Je leur en veux pas du tout parce que la palette elle est juste sublime. En fait dans chaque rangée vous avez un mat irisé, un pailleté, un mat avec des paillettes à l'intérieur. Enfin quand je dis un pailleté, ce sont des paillettes pressé et un autre mat, je crois que c'est ça à peu près, hein. En moyenne c'est à peu près ça pour chaque colonne. C'est trop trop beau, là quand on regarde visuellement je trouve ça magnifique. Je l'ai juste un peu swatché, j'en étais folle. Je les avais pas trop swatché, j'avais pas osé toucher jusqu'à ce que j'ai une réponse de leur part concernant du coup la palette. Je savais pas s'ils voulaient que je la renvoie, quoi que ce soit. Ils m'ont proposé de me faire un avoir, on va dire, de la valeur de la palette, donc de 34$, sachant que moi je l'ai eu en promo, donc je l'ai eu moins cher, mais ils m'ont quand même en gros remboursé, on va dire, la totalité de la palette, enfin vraiment le prix initial. Donc je suis très contente, cette palette elle est juste sublime et franchement Colourpop c'est une très très belle découverte. Je suis hyper contente d'avoir enfin sauté le pas. Et on va terminer ce haul avec le très gros cadeau de Noël que j'ai eu, puisque vous avez dû comprendre, donc j'ai eu le fond de teint du Juvia's Place, mais j'ai également eu quelques palettes de chez Juvia's Place aussi. En fait, on a aussi profité du Black Friday pour faire cette commande pour Noël, puisque les palettes étaient à moins 50%, donc pour le budget de mon cadeau, que bon, c'est mon chéri qui m'a offert, donc pour le budget qu'il avait, j'ai eu le double de palettes, quoi. Donc franchement, j'ai dit, faut profiter maintenant. Donc voilà, je suis vraiment très très gâtée et très heureuse. Je vais vous les présenter toutes. Sachez d'ailleurs que je n'ai pas eu de frais de douane, alors je touche du bois qui m'est oublié, tant mieux. Normalement j'avais passé une première commande déjà il y a quelques années, j'avais eu des frais de douane et là je lui avais dit écoute s'il y en a je les prends à ma charge et il n'y en a pas eu, donc tant mieux, c'était le petit cadeau de Noël supplémentaire. On commence avec la palette The Try puisque c'est la seule en fait que je n'ai pas eu dans cette commande. C'est grâce à une cliente qui est abonnée et encore merci à toi, parce qu'elle l'avait, elle est neuve, elle n'avait même pas swatché ni rien et elle voulait la vendre puisque c'est pas forcément ses teintes et moi je la chercher partout, elle était out of stock de partout et du coup je suis trop contente parce que je lui ai racheté et franchement cette palette mais elle est sublime.
synonymes. Ensuite, on a la nomade. J'adore le packaging, cette image. Je la trouve sublime avec ce grand chapeau, ses reflets, enfin derrière ce haut là, avec ses reflets. Je trouve magnifique cette image, vraiment elle est sublime. Et voici les teintes, je les trouve aussi très très jolies. On est quand même plus sur un petit peu un air un peu plus automnal, vous voyez. Voilà, on a un petit peu du jaune, un peu moutarde, du marron, un petit peu un marron qui tire vers le kaki, du orange, des irisés trop trop beaux. Enfin voilà, magnifique cette palette, je la trouve sublime. Ensuite on a la Warrior 3, pareil j'adore ce packaging et ces teintes à l'intérieur qui peps bien, je la trouve trop trop belle. On a donc 6 mattes et 3, non pardon, 7 mattes et 2 irisés, un gris avec des reflets quand même bleu à l'intérieur et un bleu, et ces teintes vraiment qui pètent, voilà, par rapport à ça, ça rappelle quand même l'image et le packaging, canon. Ensuite on a la Afrique avec ses super jolies teintes, ce très beau vert, ce très beau orange, ce très beau jaune, ce très beau bleu, enfin toutes ces très belles couleurs. D'ailleurs en fait je les ai à peu près tous swatchés, les couleurs de toutes les palettes, aussi pour voir le vert parce qu'il y a pas mal de vert dans toutes les palettes, et je voulais voir s'il n'y avait pas quand même des mêmes, des identiques, et non, franchement ils sont tous différents, il y a tous vraiment un sous-ton de différence où on le voit quand même assez bien, même si dans le pan on le voit pas forcément, vraiment en swatch je l'ai vu, donc ça va, ça m'a rassurée. Cette teinte Togo, c'est un peu duochrome, c'est trop 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 beau, voilà, magnifique palette. Ensuite il y a la Mini Masquerade. Alors ça c'est vraiment une palette que je voulais depuis très 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 longtemps, et au final en fait quand je l'ai ouverte je me suis dit ouais, c'est celle qui m'attire le moins dirons-nous, même s'il y a de très 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 beaux fards là bien pétants et du coup du nude en dessous, je me dis je l'attends depuis tellement longtemps, et quand je l'ai ouverte bah, c'est celle qui m'a le moins emballée, même si elle reste quand même très très belle et que quand je les ai swatchées, mon dieu la qualité de fou, mais voilà c'est juste ça, peut-être que je l'ai tellement attendu que du coup je ne sais pas, mais elle est quand même très très belle et je suis quand même très très contente de l'avoir. Et pour terminer avec Juvia Space, on a les deux Voilà. Celle qui m'intéressait principalement le plus c'était la Voilà 1 et la 2 un peu moins, mais il y avait une promo avec les deux, donc j'ai dit franchement bah, autant prendre les deux, et au final franchement la Voilà 2, une fois que je l'ai eu sous les yeux, waouh, il y a vraiment des fards superbes dedans qui ne ressortent pas tant que ça en photo, tu te dis un peu mouais, et au final swatch et tout, mais trop trop beau. Donc voici déjà la Voilà 1 qui est très 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 jolie. On reste sur des pannes qui sont rondes, donc on reste quand même dans la même lignée que les autres fards que je trouve très jolies. Quand j'ai swatché les paillettes pressées, ça c'est vraiment les premières fois qu'ils font ce style de paillettes pressées, ils n'en ont pas dans les autres fards. On se rapproche un peu plus des palettes color pop entre guillemets, dans l'idée en tout cas d'avoir du mat, du irisé, du pailleté pressé, un peu voilà, un peu de plusieurs textures, des duochromes aussi magnifiques, notamment le Fighter, trop trop beau, le Power, canon mon dieu, en fait en photo vous voyez vraiment pas comme ils sont sublimes, mais là en vrai, oh bref, et les paillettes pressées aussi ont l'air très très bien, je les ai pas encore essayées, et mon dieu, j'ai tellement tellement hâte. Et on finit avec la Voilà 2, je trouve le packaging très très beau, cet effet un peu dégradé de couleur, super joli. Là on est sur des fards carrés, donc c'est quelque chose qui change, on n'a pas l'habitude chez Duvias, c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu rebuté sur le coup, moi les fards un peu carrés comme ça, je sais pas, c'est pas forcément ce qui m'attire, surtout moi je pense Duvias, je pense panne rond, bref. Mais ça, ce n'est qu'un détail. En dehors de ça, franchement, quand je l'ai reçu, quand je regarde la teinte fake, les amis, cette palette, rien que pour cette teinte, il faut l'acheter. C'est une teinte, j'ai jamais vu de toute ma vie, je n'ai jamais vu un fard comme celui-ci. Il est vraiment rose métallique, hyper pigmenté, il est hyper crémeux. À peine vous le swatchez comme ça, de toute façon, je vais vous faire des swatchs, c'est obligé là. Waouh, waouh. Franchement, quand je l'ai testé, j'ai dit, mais celle-là, on ne le voit pas en fait en photo. C'est vraiment un truc de dingue. Vraiment, il est canon. Il y a quelques fards qui ressemblent dans l'autre palette, mais elle, je veux des fards de toutes les couleurs de cette formulation-là. S'il vous plaît, Juvias, si vous passez par là, on veut des fards de cette formulation de toutes les couleurs. Vraiment, canon. Et bien voilà la compagnie. Ça y est, on a enfin terminé tout ce méga haul de palettes principalement. Voilà, je suis hyper hyper contente, si vous saviez, ça me rend mais tellement heureuse de voir tout ça, de swatcher, de maintenant j'ai tellement hâte de pouvoir les utiliser. Ça va faire quand même, ça va prendre beaucoup de place dans ma collection, donc je pense que dès que je pourrai vraiment bien me réinstaller, voilà, niveau make-up, etc., quand je pourrai vraiment enfin refaire ma coiffeuse, me poser, etc., je ferai sûrement un tri, parce que je pense qu'il va y en avoir besoin, parce que là ça fait quand même beaucoup, sachant que comme je vous ai dit, il y a un haul partie 2 qui va arriver. Donc voilà, il va falloir faire un tri
quand, je ne sais pas, mais il faudra le faire. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, vous, si vous avez craqué, quels ont été vos cadeaux de Noël, si vous avez eu du maquillage, ce qui vous a plu là-dedans, ce que vous avez testé, ce que vous avez envie de tester. Franchement, dites-moi tout ça en commentaire, si ça peut me donner aussi peut-être que quelques idées d'achat ou savoir si vous avez aimé ou non une palette et moi, je pourrais avoir l'avis inverse. Enfin, tout ça m'intéresse, donc vraiment, dites-moi tout en commentaire. Si donc la vidéo vous a plu, bien évidemment, comme toujours, likez-la et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo et notamment le haul partie 2. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !